Salut tout le monde, bienvenue au premier classement du mois d'avril. Et c'est reparti pour un nouveau mois, du coup ce mois d'avril qui va être premier, qui va dégringoler, qui va rentrer dans le classement. On va voir ça durant tout ce mois. Donc il y a des gens qui connaissent déjà la chaîne, qui savent comment fonctionne le K-Charts. Si tu découvres cette vidéo, je t'invite à lire tout ce qui est en description parce que je t'explique en long, en large, en travers comment fonctionne le classement. Et donc sans plus attendre, faisons place au classement de cette semaine. Bye.
come. And that's another love. Si tu aimes ma chaîne, sache que tu peux me soutenir de plusieurs façons. Tu peux me faire un don sur Utip, tu peux aussi aller voir ma boutique sur Redbubble où je mets mes designs, et tu peux aussi liker, commenter, partager cette vidéo si t'aimes bien, et c'est gratuit. Félicitations à Rosé avec Underground qui est de nouveau première vu qu'elle l'était il y a 2 semaines, mais la semaine dernière elle a perdu sa place face à Dreamcatcher, mais la voici de nouveau première. En seconde position on a Shiny avec donc Call Me, et en troisième position Send Me avec Tail. Donc c'est un top 3 qui change un petit peu, on a Hyuna et Dreamcatcher qui sont partis du coup la semaine dernière, donc c'est vrai que ça fait des petites vagues dans le classement et je trouve ça assez intéressant. Une seule nouveauté cette semaine, c'est Paranoia de Kang Daniel, mais on a aussi le retour de ONF avec Beautiful Beautiful, qui est une chanson vachement bien je trouve, et qui est aussi d'ailleurs la meilleure progression de la semaine, donc peut-être que les gens se sont dit bah alors c'est pas normal qu'elle soit pas dans le classement, ils ont voté pour elle. Et on a aussi le retour de GOT7 avec encore une chanson qui était plutôt appréciée mais qui s'était fait virer malheureusement, mais elle est de retour. Mon préféré de la semaine c'est de nouveau Six avec Cinéma, tout simplement parce que c'est leur 8ème semaine, donc je me suis dit en cadeau de départ je leur donne mon petit logo. C'est une chanson que j'ai sincèrement appréciée, je trouve qu'elle est juste super bien composée, super bien réfléchie, super intéressante, super... Enfin, en fait, j'ai envie de la réécouter encore et encore, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je lui ai mis mon petit logo. C'était mon préféré de la semaine. Comme chaque semaine, des chansons sont arrivées à leur 8ème semaine. Elles vont donc quitter la liste de vote, tandis que d'autres chansons vont entrer et vont tenter de rentrer dans le classement. C'est parti pour les chansons qui partent et qui rejoignent le K-Charts. Can we talk again? Can we try again?
끝이 보여 High 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 숨을 죽여 난 이른 내 심장에 방아쇠를 당겨 Comme vous voyez, il y a quand même du lourd qui va rejoindre la liste de vote. Le catcher, c'est toujours un peu surprenant, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on verra. Vous pouvez d'ores et déjà voter avec le lien qui est en description de la vidéo, et n'hésitez pas à me proposer vos chansons pour la semaine prochaine sous mon commentaire, dans les commentaires, tout simplement. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux de la Terre, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, ma seconde chaîne si vous avez envie de voir autre chose de moi. Bref, tout est possible. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah bienvenue à toi sur cette chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo K-Charts. Bye 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 bye. Annyeong.